Bonjour à tous, bonjour Instagram, bonjour YouTube, bonjour à tous les entrepreneurs de l'immobilier et bienvenue ici à Villeurbanne. Je voulais vous faire découvrir cette vidéo qui est diffusée également en direct sur Instagram. On se trouve à Villeurbanne et je voulais vous présenter ce projet exceptionnel d'une découpe, une division en deux studios. On se situe à Villeurbanne, donc c'est juste à côté de Lyon. Et c'est aujourd'hui nos équipes qui nous font découvrir ce bien en sortie de chantier. Il est terminé, c'est une grande fierté. Je suis très content de vous le montrer en direct parce que je viens à l'instant moi-même de le découvrir. C'est parti, suivez-moi, on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc on a une division avec sas interne. Là vous venez donc de traverser le sas et moi aussi. Première appartement, ce qu'on voit tout de suite, et je vais tout de suite vous le présenter, mais déjà on a créé beaucoup de rangements dans cet appartement. On a un premier espace dès l'entrée, c'est toujours agréable d'avoir un placard d'accueil, un placard d'entrée pour tout ce qui est manteau. Donc une grande partie penderie, une partie étagère en porte coulissant. Vous le savez, on coffre toujours, donc compteur EDF qui est derrière pour que ça fasse propre. Petit miroir que vous verrez ici dès l'entrée, bah parce qu'on se regarde souvent avant de sortir, on jette un petit coup d'œil et on y va, donc c'est agréable à vivre. Et vous pénétrez ensuite dans ce studio. Déjà, il est très lumineux, je ne sais pas si on s'en rend compte. On voit directement cuisine ouverte ici. Mélange de bois et de coloris, donc c'est très joli parce que volontairement, bien entendu, il mélange deux bois pour créer une ambiance. Vous le savez, c'est les standards investissement locatif, on aime bien tout encastrer pour que ce soit joli. Donc on a encastré ici machine à laver le linge ici, donc c'est propre, tout en encastré. Évier, un vrai four juste ici, grand frigo. C'est assez joli puisque sur ce modèle-là de cuisine, il y a un liseré qui sépare. Donc on n'a pas forcément l'impression que c'est un grand frigo et quand on tire, c'est en un seul bloc. Ici, on coffre la partie chauffe-eau avec la salle de bain qui donne juste derrière et je vous ouvre un petit peu les placards pour que vous vous rendiez compte. Donc, hotte, micro-ondes. Là, on a mis volontairement des placards et des rangements en hauteur si on veut stocker. C'est toujours sympa et agréable. Et bien sûr, toute la vaisselle est déjà présente. Ça, c'est le charme lyonnais et c'est top. On a une magnifique cheminée, donc bien sûr ici on la conserve tout le temps, on pourrait faire le choix de la déposer. Là on conserve, on l'a juste rafraîchi pour la mettre en valeur parce que ça donne vraiment un style superbe à l'appartement. On fait arriver tous les branchements électriques, comme ça il n'y a pas des fils qui traînent, télé, écran plat, et donc on a vraiment un bel espace. Parce que c'est le travail de nos architectes, mais l'idée sur un studio, alors qu'on est sur une surface bien entendu restreinte, c'est toujours créer des espaces. Donc là, on a un vrai espace salon, un vrai espace télé ici. On crée un espace, donc c'est joli puisqu'il faut une séparation bois naturel. Et derrière, ils viennent créer un espace avec une petite table. On va se mettre par ici, un petit espace pour manger. On dresse toujours la cuisine puisque les locataires, vous êtes attendu pour prendre cet appartement à bail et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous étiez locataire, étudiant, jeune actif et que vous deviez arriver à Lyon, est-ce que vous souhaiteriez louer cet appartement? Est-ce que vous vous sentiriez bien dans cet appartement? Mettez-le en commentaire de cette vidéo YouTube et en commentaire de ce direct Instagram. On aime faire des rangements parce que c'est souvent ce qui manque quand on prend un appartement et ça nous permet aussi de créer directement du rangement et que le locataire, il arrive, il pose ses affaires et il peut directement démarrer. Donc, on retrouve ici un faux placard intérieur, donc avec une porte qui permet encore de faire beaucoup de rangement. Un mot sur la vue, on a de la chance, on est dégagé complètement, pas de vis-à-vis, baigné de lumière, tout a été complètement refait à neuf, bien entendu, fenêtre PVC, double vitrage, on est sur un peu plus haut que du standard, donc c'est vraiment agréable, la partie est baignée de lumière. On fait des éléments de décoration, donc tout là ce que vous voyez était fait sur mesure, étagère sur cette partie là, on voit qu'on fait arriver un câble Ethernet ici, c'est soit si on veut faire un petit coin bureau, soit si on veut connecter un appareil directement au Wi-Fi, et on a fait la même chose, vous retrouvez à l'opposé, on casse un peu les angles volontairement pour que l'appartement respire un petit peu plus, tout étagère d'angle ici, tout est sur mesure. Un des intérêts, c'est que le jour où on va repeindre l'appartement, dans 5-6 ans, souvent on me pose la question, mais quels sont les premiers frais d'entretien que je vais avoir? Ça, c'est vous qui le fixez. L'idée, c'est toujours d'essayer de rester sur le haut de gamme de la même manière que cet appartement est là, parce que ça va vous permettre de tirer un revenu locatif supérieur. Et donc là, c'est intéressant, le jour où on repeint l'appartement, et on repeint tout ça, donc tout ça va redevenir complètement neuf, le placard à l'intérieur qu'on a vu, l'autre placard dans l'angle, donc tout va revenir exactement à l'initial. Et je vous montre pour terminer cet appartement.
La salle de bain, alors c'est sombre parce qu'on fait, comme c'est une division, il y a le deuxième compteur électrique qui va être connecté la semaine prochaine. Et du coup, je vais sortir pour vous filmer, mais c'est joli, on est sur un carrelage. Jusqu'en haut, c'est nos standards pour des raisons d'humidité, on va carreler jusqu'en haut. WC suspendu et grande douche, on est largement plus grand que du standard. Je crois qu'on est sur c'est du 1m ou du 1m20. Je vous laisse faire quelques plans pour que les gens puissent se rendre compte. Et aussi, encore une fois, étagère ici, puisque c'est sympa, vous pouvez mettre vos serviettes. Et ensuite, je vais avec grand plaisir vous emmener dans ce deuxième studio, parce que c'est ça l'embellie d'une division, c'est que vous achetez un seul appartement chez le notaire et vous vous retrouvez avec deux locataires, deux revenus locatifs. Et c'est bien entendu aussi par ce procédé qu'on va chercher de la rentabilité. Ici, on est à Villeurbanne, donc dans la banlieue lyonnaise, volontairement. Donc on va chercher encore un petit peu plus de rentabilité par le quartier, puisqu'on n'est bien sûr pas dans un secteur patrimonial, mais on est là pour aller chercher des points de rentabilité supplémentaires. Et bien sûr, par cette qualité d'appartement, on va drainer des très très bons locataires, parce que je pense que toute personne qui a été locataire dans sa vie, que ce soit étudiant ou jeune actif, aurait aimé trouver un appartement comme ça. Suivez-moi, on va voir le deuxième studio qui se situe juste ici. On va peut-être commencer par la salle de bain parce qu'elle est impressionnante. J'adore ce miroir en effet de décoration. C'est vraiment top puisqu'on a en plus la possibilité. Voilà, on a deux lumières. Je vais juste couper pour la VMC pour pas que vous ayez le bruit. C'est bien sûr pour pas qu'il y ait de soucis d'humidité. Vous l'entendez se lancer en direct sur l'interrupteur. C'est volontaire. Comme ça, le locataire, quand il met la lumière, automatiquement, il est dedans. Bah, ça va brasser l'air, ça va aspirer. Donc ça, c'est fait exprès. Ici, bah, top qualité, Geberit, WC suspendu, carrelé jusqu'en haut. Pareil pour l'entretien, longévité de l'appartement. On optimise les espaces, donc sèche-serviette qui est mis au-dessus. On est sur une vase qui est largement plus grande que du standard. Elle a une belle surface, là on est sur 60-70 cm de meuble vasque. Et encore une fois, grande douche, puisqu'ici on est sur du 1m20. Donc vous voyez, je fais 1m85 et on a plutôt énormément de place. On est plus proche d'une salle de bain d'hôtel qu'une salle de bain de studio étudiant. Et c'est là où on va créer de la valeur. On continue dans la suite de cet appartement. Je vous montre déjà ici l'entièreté du travail qui a été fait par le pôle menuiserie. Beaucoup, beaucoup de rangements. C'est une zone de passage, c'est un couloir. On est venu complètement l'exploiter. Grande penderie ici. Deuxième zone de rangement, tout en étagère avec machine à laver le linge ici. Ça va nous permettre de gagner de la place dans la cuisine pour pas avoir un élément de 60. Et de gagner bien sûr parce qu'on n'aurait pas forcément stocké des choses tout en bas de ce placard là. Ici, il y a le renfoncement de la cheminée, donc on a fait les étagères qui épousent ça complètement sur mesure. Le rangement chaussures ici dans le couloir, donc on vient encore une fois exploiter au maximum le couloir pour créer du rangement. Et un superbe linéaire de cuisine. Pareil, nos architectes adorent jouer sur le mélange de couleurs des cuisines, c'est très tendance. Ça rend très bien, on est sur une imitation ici marbre. On ne peut pas se permettre dans le budget parce qu'il n'y aurait pas forcément des points de rentabilité. Au contraire, ça viendrait diminuer de mettre du marbre. Mais on est sur une très belle imitation marbre. Je ne vous le filme pas, mais c'est le même frigo. Parce qu'il faudrait passer de l'autre côté, grand frigo ici. En haut, même pareil, chauffe-eau qui est coffré. Et vrai four pour cuisiner. Très sympa parce qu'on a un petit renfoncement de lumière ici. Donc ça permet de baigner de lumière la cuisine. Ça crée aussi un espace qu'on veuille l'ouvrir ou non pour poser des choses à cet endroit-là. Bah, même principe, hein. On jette un petit coup d'œil avant de sortir de chez soi. On a mis ici encore une fois un miroir parce qu'on peut regarder, on est bien et on part. On a créé ce même effet avec le bois d'une seconde zone et là vous pénétrez dans la pièce de vie. Bah, encore une fois, sur la menuiserie, il y a un travail formidable. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à l'écran, mais je pense déjà ici pour créer un espace salon, mais en même temps pas le fermer parce qu'on aurait pu faire le choix de complètement le cloisonner, mais du coup j'aurais pas eu de profondeur sur l'œil, alors que là l'appartement il est baigné de lumière, en même temps ça me coupe complètement de ma cuisine. Et là bah, franchement c'est top, c'est magnifique, sur mesure complètement, pareil MDF peint en blanc. Ça, quand le locataire va pouvoir mettre ses affaires, ça va faire une super bibliothèque. En même temps, il va personnaliser son appartement parce que l'idée, c'est pas non plus de lui imposer nos codes, mais derrière, c'est de préparer l'espace pour qu'il puisse ensuite, lui, vraiment finaliser sa décoration. On est ici, pareil, télé, écran plat qui arrive juste en dessous. L'entièreté des fils et des arrivées électriques sont derrière. Donc, j'ai créé un vrai espace et un vrai cocon salon fait par nos architectes. Un coin pour manger ici. Bah pareil, qu'on a délimité, une arrivée électrique si jamais il y a quelque chose à brancher, il veut brancher son téléphone, il veut brancher quelque chose pour cuisiner directement ici. Un point sur la vue, pareil,
Ce qui est bien, c'est qu'ici, on est pile dans un triangle et dans l'angle. On a totalement la vue qui est dégagée. Il n'y a pas de vis-à-vis gênant parce que le vis-à-vis, il est latéral. Donc, il n'est pas directement dans l'appartement. Et nous, l'œil, il a de la profondeur et ça agrandit l'appartement. En termes de déco, ils ont vraiment énormément travaillé. En fait, c'est tous les petits trucs que vous voyez à l'écran qui font que ça joli. Mais en fait, derrière, il y a un travail vraiment de fourmi, que ce soit sur les cadres, l'horloge, le papier peint, les arrivées électriques ici pour faire les jeux de lumière. Une lumière encore ici pour créer une ambiance. Tous les cadres et les bibelots qui ont été préparés dans le même style de décoration que souhaitaient nos clients. Donc, il y a vraiment un travail extraordinaire. Et vraiment, je vais vous montrer le souci du détail et je vais me diriger vers la sortie pour que vous puissiez voir ce souci du détail. Quand on est dans l'appartement, et ben pareil, ils ont créé ici avec un petit rideau, vous savez, toujours ce qu'on n'aime pas trop voir, l'aspirateur, le petit bazar. Et ben arrivée directement électrique pour charger l'aspirateur, puisqu'on fournit les aspirateurs pour qu'on passe le message au locataire. Ben, bien sûr, si on veut qu'il nous rende le logement propre, il faut lui en donner les moyens. 2-3 étagères de stockage, petit coffrage pour le compteur électrique et bah c'est mis proprement. C'est derrière la porte, on crée un rideau derrière pour pas que ça se voit et quand on ouvre ici la porte, bah c'est le petit bazar, vous savez souvent qui fait pas propre et en plus c'est quelqu'un de maniaque qui vous le dit. Et là, on ouvre, on rentre direct dans l'appartement et le petit bazar il est derrière. Donc ils sont allés vraiment sur le souci du détail de cet appartement, travailler sur un rideau parce que sur une porte ça aurait été compliqué, il aurait fallu faire comme ça et encore une porte ça aurait pas été pratique. Et on se situe ici du coup, sas d'accueil. Un grand merci déjà à vous d'avoir suivi ce direct, d'avoir suivi cette vidéo YouTube. Un grand merci surtout déjà à notre client puisque sans notre client il n'y aurait pas eu ce projet. Donc un grand merci pour sa confiance dans ce projet et vraiment je tire mon chapeau à l'entièreté de l'équipe qui a fait un travail formidable. Je suis de passage 48 heures à Lyon pour faire un point sur les projets, pour voir l'équipe, pour bien sûr parler des axes de développement qui sont formidables dans cette ville de Lyon. Et vraiment un grand grand bravo aux équipes d'architectes, de décorateurs et bien entendu de chasseurs qui ont trouvé cette pépite parce que ça permet d'allier ici à Villeurbanne un appartement formidable en termes aussi patrimonial parce que croyez-moi quand vous détenez un appartement comme ça, bah ça a énormément de valeur si demain notre propriétaire souhaitait s'en séparer et souhaitait le vendre et bien sûr pour le potentiel formidable en termes de rentabilité parce que ça en fait une opération très rentable. Je voulais vous faire un petit point sur le secteur géographique puisque je me situe aujourd'hui à Villeurbanne, donc juste à côté de Lyon. Pour les Lyonnais, bien entendu, vous connaissez. Pour toutes celles et ceux qui connaissent un petit peu moins Lyon, bah c'est une des villes qui touche directement Lyon. Et je voulais vous faire un point sur cette ville puisque aujourd'hui on sert pour nos clients l'intégralité de la région lyonnaise et je voulais vous présenter cet appartement, cette division à Villeurbanne. Et pourquoi Villeurbanne? Bah, c'est un des gros axes de développement qu'on a choisi de faire pour nos clients chez investissementlocatif.com parce que ça permet d'allier une excellente rentabilité, donc c'est bien sûr l'essence de notre prestation et ce pourquoi vous venez chez nous. Et ça nous permet aussi de monter en gamme grâce à la valeur ajoutée qu'on est capable de créer au sein de ces appartements et donc de drainer une clientèle locataire de qualité qui a bien entendu les moyens, qui va avoir un dossier sérieux et solvable, que ce soit de l'étudiant, du jeune actif, du couple de jeunes actifs, pour se loger ici à Villeurbanne. Pourquoi? Parce que vous le savez, les prix ont énormément augmenté à Lyon ces derniers mois et ces dernières années et donc forcément, certaines personnes cherchent un petit peu plus de mètres carrés et par conséquent s'éloigne un petit peu. Et c'est bien sûr sur cette clientèle qui a un excellent dossier de location qui vient chercher des prestations haut de gamme parce qu'ils ont envie de trouver un très bel appartement, ce qu'ils pourraient trouver à l'intérieur de Lyon, mais potentiellement ils veulent un petit peu plus de surface. Et c'est vraiment le produit qu'on vient proposer ici à Villeurbanne grâce à cette opération de découpe que je vous présente aujourd'hui. Et donc ça permet d'avoir un excellent produit, une excellente rentabilité ici à Villeurbanne. Alors si vous aussi vous êtes convaincu et vous voulez développer un projet bien entendu plus rentable qu'à Lyon puisque Lyon est une zone plus patrimoniale mais en même temps toucher Lyon, avoir cette proximité avec une grande métropole, alors sachez que c'est une des villes dans la région lyonnaise où c'est là que ça se passe et c'est là où je vous conseille d'effectuer votre investissement. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe lyonnaise de manière à débuter ici à Villeurbanne votre projet rentable.